suite avec nos premiers invités. Je vais commencer avec vous, monsieur Nordine Hamouche. Comment ça va? Bonjour, bonjour Lilia, bonjour aux téléspectateurs. Et avec un grand sourire, je suis très ravi d'être ici. Partagé, ça faisait quand même longtemps qu'on ne s'était pas vu oui, sur un plateau. Enfin, depuis l'apparition de mon livre qui parle de symboles, oui. Je crois qu'il y a en 2019. Bon, ouais. Je suis passé juste après, mais je suis là avec un grand, grand plaisir, surtout quand il s'agit d'enfants et tout ça. C'est un monde à part. Et ben justement, vous allez nous expliquer ce rapport particulier que vous avez avec les enfants, mais on va d'abord les présenter, puisqu'avec nous, Kauthar Mouafar. Bonjour Kauthar. Bonjour. Ça va? Ah, je suis très contente de te recevoir. Merci. Vraiment. Je suis honorée de vous rencontrer. Eh ben, c'est le plaisir est partagé. Kauthar, c'est aussi un petit, un petit phénomène parce qu'elle ne fait pas que du dessin, elle fait plein de choses. Hein. Elle fait du théâtre, elle fait de la danse classique. C'est une artiste, future artiste, comme sa maman, quoi, que j'ai connue il y a fort longtemps, qui jouait au piano et tout. D'ailleurs, on la salue, elle est là, Ibtissam Qara, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir de la revoir des années après. Alors, il y a également avec nous Rassim Boutriha. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Ah, il est bien. Lui, il regarde la caméra, il tourne ni à droite ni à gauche. C'est très bien. Je suis très contente de te recevoir. Tu peux me regarder un peu, hein, c'est pas interdit. Je suis très contente de te recevoir, la team. Oui, ça moi va aussi. Bienvenue à toi. Eh bien, c'est le plaisir est partagé. Alors, je vais commencer avec vous, Nordine Hamouche. Ouais, ouais. Je le disais, bon, vous n'êtes plus à présenter un artiste. Ouais, et bon, ouais. Vous avez vos années de carrière, votre parcours, les expos, etc. Ouais, ouais. Mais ce rapport que vous avez, très particulier d'ailleurs, ouais. Avec les enfants. Avec les enfants, déjà, c'est une très longue histoire. Moi, je suis né enfant, comme tous les enfants. Et j'adore les enfants. Du fait que je m'appelle quand j'étais petit, Bebloued, où j'habitais, Fléid et tout ça, quand les neveux venaient, c'est moi qui s'occupais de ces enfants. D'accord. Voilà. Vous êtes patient. Je suis parce très, très patient. Les enfants, c'est ma bouffée d'oxygène. Moi, quand je suis stressé, c'est les enfants qui m'enlèvent le stress. Voilà. Ouais. C'est incroyable, mais c'est ça. On est tous enfants quelque part. Et j'ai fait beaucoup de colonies de vacances. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé mes premières colonies de vacances. Ça suppose la joie de vivre, ça suppose l'animation, les jeux, le chant, la peinture et tout ça. Puis après, c'est les beaux-arts et tout ça. Les beaux-arts, c'est un monde à part aussi. Il nous faut quand même presque une semaine pour raconter les beaux-arts. Oui. Et je suis toujours avec les enfants, quelle que soit la chose. Et actuellement, je suis dans une école, c'est le Grand Atlas, qui se trouve à Deli Ibrahim, où je suis prof d'art plastique. Voilà. Oui. Et justement, le contact que vous avez avec les enfants, il est donc facile. Ils apprennent vite, ils aiment ce que leur proposez. C'est quoi un enfant? C'est comme de la pâte à modeler. Il suffit d'un petit déclic pour un peu le rapprocher de chez vous. Il faut lui parler, il faut communiquer, il faut peut-être même lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec sa petite jeunesse et tout ça. Mais c'est ça, le premier contact, c'est donner de l'importance à l'enfant. C'est très important. Voilà. Et l'art, dans toute sa diversité, c'est très important pour l'épanouissement justement d'un enfant. Et on dit souvent que l'enfant, dès l'âge de 4 ans, 5 ans, il faut l'initier à quelque chose. Il faut le libérer. Le dessin, la danse, le sport, toute forme d'art. Oui, toutes les formes. Toute forme d'art, comme la musique, comme tout le... Comme... Et l'art, ça nourrit l'esprit quelque part. C'est donc ça. L'enfant, il a besoin. Moi, j'ai mes enfants, quand ils avaient 3 ans et tout ça, je leur donnais... Je mettais les journaux par terre et tout ça, je leur donnais des crayons de couleur. Bon, ils ne sont pas artistes peintres, mais ils se libèrent. À travers ça, ils se libèrent. Ils font des créations que j'arrive pas à comprendre avec le temps. C'est des créateurs nés, c'est des peintres nés. Ouais. Voilà, c'est vrai. Ouais. Alors justement, Kauthar Mouafar, toi, tu es l'une des élèves de M. Hamouche, et donc tu dessines. Oui. Là, on parle du dessin parce que tu fais autre chose. Oui. Tu fais de la danse classique aussi, n'est-ce pas? Oui. Ça continue la danse classique? Oui, toujours. Future ballerine, c'est pourquoi ça? Pourquoi pas? Ouais. Inch'Allah, c'est ce qu'on te souhaite. Mais pour le dessin, ça fait combien de temps que tu suis des cours de dessin ou que tu dessines? Je suis avec M. Hamouche depuis que j'ai débuté le collège, ça veut dire il y a 3 ans déjà. Mm-hmm. Et chaque année, on faisait des expositions avec lui. Mm-hmm. Bon, en 2019, à cause de la pandémie, oui. Bah, on n'a pas exposé en 2019. Donc, on a exposé en 2021 à la galerie Aïda. Mm-hmm. Et juste après, on a fait... Enfin, ça, c'était sur les masques africains. Oui. Et après ça, on a fait sur...
Rupestres. Voilà, les rupestres. Oui. Les rupestres, on s'est inspiré du Tassili. Mm. Et on a exposé au musée du Bardo. Oui. C'était l'année passée. Mm. Et cette année, Inch'Allah, on va exposer sur la symbolique berbère. Oui. Au Bastion. Alors, est-ce que tu es consciente, parce que là, quand tu racontes, tu dis on a exposé au Bardo, on a exposé ici, on va exposer au Bastion 23, est-ce que tu es consciente que quand même ce sont des musées très connus et très, très côtoyés, je veux dire, pas n'importe quel musée, quoi, où, dans lesquels tu exposes. Donc, tu as cette chance de pouvoir aller exposer dans ces grands musées. Oui, oui, en effet, oui. C'est formidable. Et ça fait quoi ? Ça fait quoi quand tes dessins ou tes tableaux sont accrochés dans un musée ? Tu ressens quoi ? De la fierté. Mm-hmm. Oui, et aussi, je remercie mes professeurs. Oui. Et ça va, tu t'appliques, tu dessines bien ? Parce que je crois qu'on a un échantillon de ce que tu fais. Monsieur Hamouche a été bien gentil, il nous a ramené l'une de tes œuvres. Alors, je ne sais pas si c'est celle qui est en haut ou celle qui est en bas. Celui qui est en bas. Donc, c'est le tableau qui est en bas. On va le voir dans quelques instants. Donc, c'est toi qui l'as peint. Oui, mm-hmm. En effet. Non, moi, je ne l'ai pas encore bien vu, donc j'attends qu'on me le montre. Encadré avec vous. Voilà, on le voit, c'est magnifique. C'est des bijoux berbères ou un truc, c'est ça ? Ça représente des personnages. C'est un peu, ça rentre un peu dans l'abstraction parce que bon, avec mes élèves, c'est la créativité. C'est moi, je leur donne le fil, c'est à partir de là. Et c'est à eux d'imaginer, de s'épanouir, de faire leur propre, mais tout en restant avec le sien, mm-hmm. Parce que a priori, le travail de base où on a pu quand même faire ce travail, c'est d'après le livre que j'ai ici, c'est mon livre que vous avez écrit, qui s'intitule Paroles de symbole. Et j'imagine que vous avez fait beaucoup de recherches. Oui, bon, ça, c'est une soixantaine de symboles avec mm-hmm. une explication, une explication poétique. Mm-hmm. Poésie réalisée par la frangine Hanifa Hamouche. Mm-hmm. Et la base de travail de nos travaux, c'est ce livre-là. Oui. D'ailleurs, les enfants, ils l'ont tout ça. Voilà. Mm-hmm. Très bien, d'accord. Donc, c'est à partir de là qu'ils s'inspirent et qu'ils dessinent. Et après, au niveau des couleurs, c'est vous qui les guidez Je leur donne je leur explique les couleurs. Généralement, c'est des peintures qu'on retrouve, c'est des décorations, disons, qu'on retrouve sur les poteries, voilà. Oui. Donc, c'est des couleurs, on est plus dans les ocres, dans les marrons, dans les ocres rouges, dans le rouge brique. Mm-hmm. C'est les couleurs que les femmes utilisaient pour peindre, et les intérieurs des maisons, des femmes berbères, bien sûr, dans toute l'Algérie, hein. Mm-hmm. Et dans les poteries, surtout dans les maisons, les intérieurs. Mm-hmm. Et c'est à partir de là qu'ils, au fil des semaines, parce qu'on avait une heure par semaine, mm-hmm. depuis déjà le projet, il date du mois d'octobre. Ouais. Ça fait presque quand même 9 mois de travail. Mm-hmm. Ce n'est pas un travail forcé. C'est une expo qui se prépare. Hein. Voilà, c'est une expo qui se prépare. Donc, on a eu quand même à bosser pour avoir ces belles œuvres. Oui. Et les couleurs, avec le temps, ils s'habituent. Moi, je leur explique les temps, comment qu'il faut les avoir. Mm. Et on s'amuse quelque part pour... J'imagine que l'ambiance, elle est super sympa. Là, je m'adresse à Rassim. Rassim, toi aussi, tu es dans le dessin. Bon, on n'a pas eu une œuvre à toi, malheureusement, aujourd'hui. Mais toi aussi, tu dessines, tu fais de la peinture. Tu fais quoi exactement ? Oui, je dessine beaucoup. J'aime bien dessiner des personnages, des mangas. Les mangas, on revient toujours aux mangas. Pourquoi les mangas ? Vous êtes tous attirés par les mangas, surtout les garçons. Les mangas, c'est des bandes dessinées japonaises. Oui, mais pourquoi ça t'attire les mangas ? Qu'est-ce que tu trouves de spécial dans les mangas ? C'est une bande dessinée pour moi, c'est une bande dessinée mais en mieux. Mm-hmm. Et les personnages sont toujours bien dessinés, avec des actions fines. Ouais. C'est pour ça que les mangas, c'est extrêmement populaire en ce moment. Oui, c'est vrai. Ça marche très, très bien depuis déjà quelques années. Mais sinon, mis à part les mangas, donc avec M. Hamouche, qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris pas mal de symboles berbères, leur signification. J'ai appris à m'exprimer mieux que ce que je pouvais déjà. Mm-hmm. Et ça m'a permis surtout de m'améliorer en dessin. D'accord. Et donc, si tu as un message, là, tu vas regarder la caméra. Et si tu as un message à passer aux enfants de ton âge qui ne pratiquent pas d'activité, qui ne font pas de dessin, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, le dessin ? Le dessin, ça m'aide à mieux m'exprimer, à m'affirmer dans un monde où, généralement, on n'est pas toujours gagnant. Mm-hmm. Ça m'aide à faire sortir
tout ce que j'ai à l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça qui me permet de me libérer. C'est ça qui m'aide à m'exprimer. Et à avancer surtout. Exactement. Est-ce que tu es bonne élève ? Oui. Ah, donc ça va, tu arrives à partager ton temps entre les études, le dessin, les autres activités. Exactement. Tu gères bien ton temps. Oui. Et tu aimerais devenir un artiste plus tard, un artiste peintre ou un grand dessinateur Pourquoi pas. Oui, ça te ferait plaisir. Kautar, toi, qu'est-ce que tu aimerais plus tard Je sais pas. Je sais pas vraiment, non. Mais est-ce que tu voudrais rester dans l'art? Même si, je ne sais pas, tu vas continuer tes études, oui. Peut-être tu vas être médecin ou je ne sais pas quoi. Mais l'art, tu ne vas pas le laisser je tomber. Je pense que c'est important de rester genre, accroché à l'art, d'avoir un lien avec l'art parce que c'est aussi une manière de s'exprimer, que ce soit dans la danse ou le dessin ou le chant. Ou... Et aujourd'hui, comment tu vis tout ça? Ça t'apaise? Qu'est-ce que ça t'apporte? L'art. Ça m'apporte la culture générale déjà et c'est aussi une manière de s'exprimer. Voilà, et d'ailleurs la preuve en est avec ces deux juste incroyables qui s'expriment très très bien, qui parlent très très bien, les mots qu'il faut, là où il faut. Et franchement, on est fiers de cette génération qui représente juste un échantillon de la génération algérienne. Alors l'expo, on le rappelle, c'est pour ce samedi à partir de 14h au Bastion 23. Ça va durer qu'une seule, là on est en train de voir l'affiche, ouais. Donc c'est une seule, journée, un seul après-midi. C'est une seule journée, ça coïncide avec la fin de l'année. Bon. C'est toujours pas la fin de l'année, mais chaque année, c'est dans la même école, le Grand Atlas, on essaie de faire une expo avec thématique. En 2019, on a fait les masques africains. Oui. Comme il y a eu le Covid, on l'a fait dans une galerie privée, à Aïda. En 2021, c'est le Covid. 22, Bardo. On a fait au Bastion 23, au milieu du Bardo. La thématique, c'était les rupettes du Tassili. Et avec la directrice qui... à qui je salue, je pense qu'elle est, elle est en train de nous regarder. On a opté pour la symbolique berbère qui fait partie de notre histoire. Le symbole, c'est tout un monde, c'est les couleurs, c'est les traditions, c'est les coutumes de nos ancêtres et tout ça, à qui on a voulu inculquer aux élèves avec des ateliers une heure par semaine. Et voilà, le résultat, il est là. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, vous avez déjà accroché ou pas encore? L'accrochage, il va se faire le samedi à partir de 10h. Je serai accompagné avec, puisque c'est des collégiens, ça sera 3 élèves pour chaque classe. Donc, j'aurai 10 ou 9 élèves qui vont m'accompagner pour les accrochages. J'allais leur apprendre comment accrocher une œuvre. Ça aussi, c'est important. Toute l'étape à suivre. Toutes les étapes pour voir un peu le cheminement des artistes, comment ils s'organisent et organisent une exposition. Voilà, et à partir de 14h, c'est ouvert au public aussi. Voilà, c'est ça. Parce que moi, tout à l'heure, je l'ai dit, mais après j'ai réfléchi. Je dis peut-être que c'est pour le public aussi. C'est ouvert pour le public et pour les parents, accompagnés de leur famille et tout ça. C'est en prix. Il y a combien d'élèves en tout qui exposent? Il y a une bonne cinquantaine d'élèves. Quand même. 50 et élèves. Chacun a un tableau ou un dessin. Bon, les premières années moyennes, je leur ai consacré toutes les techniques possibles de l'art. On a travaillé sur du papier constant, papier constant, collage, pointillisme, graphisme et tout ça. C'est leur début. Les deuxièmes AM, c'est un peu pareil, mais le niveau il est un peu élevé. Un peu plus élevé, oui. Les troisièmes AM, comme Kautar, je leur ai consacré un peu... l'étoile, les trucs. Oui, parce que là, ce qu'on a vu avec Kautar, c'est du niveau, quoi. Oui, c'est Kautar, c'est une. Bon, je dirais que c'est une de mes meilleures élèves. Voilà, ouais. Comme l'était sa mère à l'école. Je l'ai quand même. Depuis qu'elle avait. Depuis que tu étais au CP. Avant le collège. Avant le collège. Et elle a bien évolué. Elle a évolué et maintenant elle sait ce que je veux. Voilà. D'accord. Déjà, donc c'est une élève assidue qui écoute son qui prof. Qui sait ce qu'elle fait, qui écoute, qui travaille avec conscience et tout ça. Très bien. Et il y aura même des objets de récupération. Oui, parce que vous travaillez beaucoup sur. Vous faites toujours l'échange d'objets. Oui. C'est votre spécialité vous. C'est une idée qui a germé comme ça. C'est pour permettre à mes amis, même si ce n'est pas mes amis, de disposer de mes œuvres à travers un échange. Et de les faire vivre aussi, continuer à vivre. Voilà, c'est ça, c'est un moyen d'expression aussi. Ça nous permet de communiquer, de connaître des gens et de partager surtout. Moi, je suis pour le partage et pour la communication. Voilà. Très bien. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Je sais qu'avant de partir, vous aimeriez qu'ils déclament une poésie, c'est ça? Oui.
Il y a un joli poème qui, sur l'oiseau. Mm-hmm. Que... Mais je ne sais pas si on va... Non, parce que vous êtes accroché à un fil, là, il faut m'aider, hein, parce que ce n'était pas prévu. Allez-y, je vais essayer de le... Hoppa. Eh ben voilà, c'est facile. Vas-y, le symbole de l'oiseau. Va lire le symbole vas-y, de Racine. L'oiseau. Là, c'est le poète hein, qui s'exprime. Le symbole de l'oiseau. Il vole et survole les cieux. Il n'y a plus de distance entre lui et Dieu. Bien menu et plein de sagesse. Minuscule, mais à l'intelligence vive. Libre dans l'air qu'il active. Il est le souffle et l'âme de la matière qui l'anime. Bravo. Wow. Même quand il lit, oh, il est magnifique. Bravo, Racine. Franchement, bravo. Et j'espère que tu deviendras un grand artiste, que j'aurai le plaisir de te de recevoir. Bon, je serai vieille, peut-être je ne serai plus là, mais bon, tu viendras quand même, peut-être oh, à voir. Madame, je ne pense pas que vous soyez aussi vieille que ça. Merci, ça me rassure, ah, c'est gentil. En tout cas, merci à vous d'être venu. C'était un plaisir de vous recevoir. On rappelle encore une fois que l'exposition aura lieu donc ce samedi à partir de 14h au Bastion 23, donc le musée. Ne le ratez surtout pas, vous aurez plein voilà, d'autres enfants, de collégiens, à l'image de Kauter et de Racine qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Tout cela, bien sûr, avec l'aide de leurs professeurs et encadrement surtout du sympathique artiste plasticien, je le rappelle, Nourdin Hamouch, qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Franchement, c'était merci très agréable. Merci. Bonne exposition. Merci. On essaiera de venir voir tout ça et de rencontrer plus de monde. Et à très bientôt. Sinon, maintenant, il n'y a plus rien qui se prépare avec les élèves jusqu'à l'année prochaine. Puis après, c'est les vacances. Voilà. C'est... Mais vous allez continuer à travailler tout seul. Moi, je ne m'arrête pas. C'est... Vous prévoyez une future expo? Je prévois une très belle et grande expo. Je ne peux pas donner le titre vu que je cherche un sponsor pour un peu m'aider à faire les encadrements, oui. Ne serait-ce qu'une somme, une petite somme comme ça, mm-hmm. Mais ça sera une très très belle surprise, voilà. Que vous viendrez nous présenter. Mais avec plaisir, avec un grand sourire. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup, je le rappelle, Nourdin Hamouch qui était avec nous aujourd'hui, accompagné de Kauter Moufak et de Racine Boutreha. Merci à vous. Bonne exposition, j'espère que tout va bien se passer. Et puis on sera là, je l'espère, samedi, allez, je le dis une dernière fois, à partir de 14h au Bastion 23. Merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, nous allons recevoir l'artiste Bahja Rahel qui viendra vous annoncer, elle, son concert pour vendredi à 19h30 à la salle Ibn Zaydoun. Il y aura également Hicham Daou pour sa chronique El Marsam, accompagné d'une invitée qui représente l'Office national de tourisme. Mais justement, avant d'écouter un petit extrait de ce que fait, bien sûr, notre artiste Bahja Rahel, j'aimerais passer une petite dédicace. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Donc, c'est la maman Naïma et la sœur de Yasmine, à savoir Doua Zina, qui souhaitent juste félicitations pour Yasmine qui a obtenu sa sixième. Donc, félicitations à tous ceux qui ont eu leur sixième. Bravo, bravo, en attendant le résultat du BEM et du baccalauréat. Voilà, bravo Yasmine. Allez, tout de suite, on écoute Bahja Rahel. Qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner, monsieur Hamouch? Voilà, ça c'est pour l'offrir à votre émission. Il fallait donner. Heureusement que j'ai fait attention, hein, sinon on ne l'aurait pas vu. Ça, merci. Vous l'avez dessiné là tout de suite. Maintenant, voilà. J'ai vu. Oh. Je vous l'offre gracieusement au nom de l'école de Grand Art. Merci, c'est gentil. Wow. Oh là là, ça c'est le professionnel. Il a fait tac, tac, tac et il a fini son dessin. Merci, on va le garder. On va l'encadrer et on va, pourquoi pas, l'exposer ici dans notre studio. Il fera partie du décor. Tiens, merci beaucoup, monsieur Hamouch. Allez, on écoute tout de suite Bahja Rahel et on se retrouve juste après. Thank you.
Voilà, très très belle voix, bien évidemment, de Behja Rahel, qui n'est plus à présenter. Une artiste qu'on aime beaucoup, que vous aimez beaucoup, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous, et moi encore plus, parce qu'elle est à côté de moi, donc c'est encore mieux. Bonjour Behja Rahel. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'être là. Vous êtes venu annoncer, bien sûr, un très beau concert qui va avoir lieu donc ce vendredi à partir de 19h30 à la salle. 19h30. Oui, 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 c'est vrai. Vous n'aimez pas qu'on dise à partir. C'est un concert. Elle déteste ça. Donc c'est à 19h30 à la salle Ibn Zaydoun, donc qui a pour titre, alors pour que je ne me trompe pas, Nouba Mesj Raml El Maya Raml. C'est ça? Ramel Meyer. Vous allez nous expliquer tout ça dans un moment, mais on va présenter aussi Hicham Daou qui est là. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, normalement, tu es à côté de moi. Oui. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais allez, ce n'est pas grave. On va faire avec parce que toi, tu as ton invité, moi, j'ai mon invité. Voilà. Hicham, ça va? Ça va très bien, Lilian. Tu vas nous présenter justement ton invité. Eh bien, oui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Hajjam Naïma, représentante de l'ONT, l'Office national du tourisme, qui va nous parler aujourd'hui sur l'impact des salons du tourisme sur la destination Algérie. D'accord, mais c'est vrai que c'est important de parler des salons, parce qu'on en parle, on les couvre, mais c'est quoi l'importance finalement exacte du salon du tourisme? On va essayer d'en parler. Très bien. Alors, je vais commencer avec vous, Behja Rahel. C'est le grand retour, même si bon, vous êtes souvent ici en Algérie, vous partez, vous faites les allers-retours. Mais ce concert, il est très important pour vous, comme tous les autres d'ailleurs. Il est important parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas donné un concert comme ça seul sur la scène algérienne et face à un public, le public algérien. Et depuis la sortie de l'album, puisque l'album que je vais présenter vendredi, Inch'Allah, Nouba Mesj Raml Meya Raml, je l'ai sorti en octobre 2022. Mm-hmm. Je l'ai présenté d'ailleurs à la presse algérienne à Dar Abd el Taïf. Oui. Mais ensuite, il n'y a pas eu, parce que d'habitude, je le présente aussi au public. Oui. En concert, il y a une vente dédicace aussi à la fin du concert. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Mm-hmm. On devait le faire d'ailleurs même à un certain moment en mai. Mm-hmm. Mais je tenais à le faire au Mouakbel Saif, avant l'été, parce que après l'été, c'est un autre programme
que je prévois, Inch'Allah. Oui, parce que vous donc, ne vous arrêtez jamais. Vous avez quelle pile? Quel genre de pile accrochée à votre dos? La meilleure qualité. Allah yberk, c'est vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que Bahja Rahal, mis à part le fait que voilà, elle va présenter un concert et ça va être magnifique, ça on le sait, mais elle ne s'arrête pas parce que pour vous, la transmission c'est très important, l'enseignement c'est très important, la génération, la future génération c'est très important. Et vous le faites, même en étant de l'autre côté de la Méditerranée, vous le faites. Vous faites même partie d'une association, si je ne dis pas de bêtises, n'est-ce pas? Oui, de musique, oui. Et moi j'ai choisi un extrait d'une vidéo pour voir, je sais pas si, je sais pas si c'est vraiment, là on est dans l'enseignement ou là c'est une préparation d'un concert, vous allez nous expliquer. D'accord. Moi la vidéo m'a attirée et c'est pour ça que j'ai décidé de la passer avec le script, donc regardez. On est vraiment dans... Là, en fait, ce n'est pas la vidéo que je voulais, mais bon, je crois qu'il y a eu un petit souci, ce n'est pas grave. Mais la vidéo que je voulais montrer, bon, ça aussi, là, je pense que c'était la répétition d'un concert. Là, c'était la répétition d'un concert que j'avais donné à l'Institut des cultures d'islam à Paris. Très bien. Mais moi, je parle de la vidéo où on vous voit avec deux dames. Vous êtes en face de deux. Ah, très bien. C'était très celle-là, bien. En fait, d'ailleurs, que je voulais par passer. Contre, ça, c'est un extrait d'un portrait qu'avait fait Desfoudala sur moi pendant Ramadan. Mm-hmm. Mais sinon, oui, où je parlais avec mes élèves. C'est ça. Là, c'est la vidéo que je voulais. Voilà, c'est l'association Rythme Harmonie que j'ai créée avec un groupe d'amis et où, bien sûr, j'assure les cours de musique andalouse. Et là, on travaille aussi, c'est vrai, le détail depuis 2008. Et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la transmission, pour moi maintenant, c'est vraiment la partie la plus importante. Je me consacre plus à la transmission, puisqu'au départ, c'était plus des concerts, des enregistrements. Déjà, bien sûr, les enregistrements, puisque c'est le 28e, celui-là. Mais maintenant, la transmission par les cours, par les ateliers, est pour moi très importante. Peut-être que même si j'ai de moins en moins de concerts, mais la transmission directe à mes élèves est importante parce que c'est la relève. Et c'est ça la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez, parce qu'on le voit par rapport peut-être à d'autres artistes, en tout cas ici en Algérie, hein, je ne parle pas de la France de l'autre côté, on vous voit moins que peut-être d'autres artistes dans le même style andalou, haouzi. Est-ce que c'est votre choix parce que justement vous n'avez pas le temps et vous vous consacrez tellement à l'enseignement? Ou là, c'est comme ça? Non, ce n'est peut-être pas venu. Il n'y a pas eu peut-être une programmation quand j'étais un petit peu occupée. Parce que pendant l'année, ce n'est pas évident de venir donner des concerts en Algérie alors que j'ai les cours que j'assure. C'est ça, donc ça vous prend du temps. France, ça prend du temps. Mais pourquoi je dis que c'est important? Parce qu'arrivé à un certain moment, yani maintenant avec mes 28 albums, avec mes années d'expérience, de formation et tout, je me consacre plus à la formation, à la pédagogie, à la transmission. Et je dis toujours, parce que quelquefois, on voit, même dans les associations, on travaille pour la transmission. Mais je dis qu'il faut aussi donner du temps au détail. Le détail est important. Le cours collectif est important, c'est bien. Mais quelquefois, comme peut-être, je pense que c'est ce que vous aviez choisi. Oui, c'était ça la vidéo. Je ne sais pas, elle s'est volatilisée. Avec un ou deux élèves seulement. Là, c'est pour vraiment travailler le détail. Oui. Parce que je me dis, surtout quand on découvre qu'il y a des talents, il faut aussi les aider à prendre leur voix et les aider vraiment à bien choisir et bien sûr leur dire toujours ne soyez pas pressés parce que vous avez le talent,
mais il vous faut la formation, et la formation solide. Mm-hmm. Et quand on parle de formation solide, ça veut dire qu'il prend des années. Ouais. Ne soyez pas pressés. Donc, à l'Hadik, même Badhad ou les talents, il faut les prendre en charge, travailler avec eux le détail, pour qu'ensuite, quand ils décident un jour, il y en a deux... De se lancer en carrière professionnelle, mm-hmm. ils sont bien formés. Bien armés surtout, n'est-ce pas? T'as pas de questions, Hicham? Si, parce que Hicham est aussi musicien, hein, ça il faut le dire, hein, et compositeur. Donc, parlant du détail, je voulais savoir en quoi ça consiste ce détail, Madame Grigian. Chouffe le détail, par exemple. quand on apprenait la musique andalouse, le maître était en face et il aime le groupe. D'accord. On chante en chœur, on chante tous en chœur, bien sûr l'instrument. Dès le premier cours, surtout les enfants, ils ont déjà un instrument entre les mains, mm-hmm. la musique andalouse. Mais quelquefois, on n'a pas le temps de travailler le détail avec chacun. Mes élèves, mais tu vois tout et tu entends tout. Mais je suis là pour ça. On n'a pas de technique vocale dans la musique andalouse. C'est pas comme l'opéra ou la musique classique européenne. L'opéra, c'est vrai que c'est autre chose. Et d'ailleurs, on ne compare jamais l'opéra à la musique andalouse. Il y a une technique vocale. On vous apprend à placer la voix, le souffle, la respiration et tout. Moi, j'ai essayé d'appliquer certains détails de cette musique sans dénaturer notre musique. L'instinct, mais ce que je leur dis, c'est que déjà, je vous apprends à chanter juste. C'est ça. Qui dit un élève et il détonne, moi je lui apprends la tonalité. Lui, il chante là. Moi, je lui apprends à chanter vraiment sur cette tonalité, s'il n'arrive pas. Win, à un certain moment, Win prend son souffle, donc sa respiration, comment respirer, comment... La prononciation, parce que ça, c'est important, parce que le public est en face, il vous écoute chanter. Quelquefois, il aime faire chouer sur la trôle. Dans ce cas-là, même il peut faire un rejet. C'est très, très important. Donc, je peux prendre un élève, donc il y a une... J'ai créé une méthode d'enseignement, donc avec une certaine pédagogie, pour vraiment, yani, à la fin de l'année, chacun de mes élèves, qui m'a dit souvent, ne soyez pas des suiveurs, mais des meneurs. Si même quand on chante en chœur, on est une trentaine à chanter, il faut que chacun pense que c'est lui qui mène. C'est comme ça qu'on arrive à donner une harmonie, de la beauté, de la grandeur à ce chœur, qui chante, yani, même qu'il soit yani, constitué de 30 ou 100 voix. Ouais. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est ça ce que je cherchais. Merci Anis, mais bon, je crois qu'il a juste la photo, il n'a pas pris la vidéo. Donc c'est ça ce que je cherchais. Est-ce qu'on peut voir la photo, s'il vous plaît? Là, c'est ça. Alors la photo, là on voit nos percussionnistes. Donc notre association Rythme Harmonie à Paris, Mina et Naïma. Mm-hmm. Alors, Hadou formés chez nous, hein. Mm-hmm. Je les ai formés parce que qu'on pense toujours que Darbouka Outar, ce n'est pas des instruments de musique. Mm-hmm. C'est des instruments de musique qu'il faut aussi former kif-kif au détail. Donc ça, c'était un atelier réservé les hommes. Mm-hmm. Et le jeudi, souvent, parce qu'on commence nos cours pour les adultes à 19h30, parce que la journée, tout le monde travaille. 19h30. Mais 18h30, 19h30, Win, quelquefois j'appelle un élève, c'est toi qui viens aujourd'hui. Donc ce jour-là, c'était Darbouka Outar, pour travailler avec Ahmed Mizan. Et c'est vrai que si la vidéo était là, on parlait de Dakhla Ta'krisi, Win Hadak, quelquefois Win, c'est en contre-temps, ou là, quand on fait tac, 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 boum, tac, tac, tak, boum. Donc quelquefois, le krisi yibda fil boumma. Et il y a d'autres crises, donc les introductions musicales. Win,
يبدا ديكالي البومه هذيك ما تبداش سور لو بروميير طون سي توت ouais. سي جينيال لا je leur dis la formation pour moi maintenant est un devoir ouais. parce que كيما علمونا نو متر si, il faut qu'on le fasse pour la jeune génération madame Bahjara Halsi avec tout ce que vous connaissez hein, et que vous avez appris vous ne le transmettez pas, ça veut dire que vous êtes égoïste et vous ne l'êtes pas donc tant mieux voilà aujourd'hui on peut dire qu'il y a la méthode Bahjara Hal méthode d'enseignement oui, je pense. À la Bahjara Hal. Parce que franchement, c'est une méthode que j'ai créée comme ça. D'ailleurs, le cours, hadak direct. Ouais. Et là, mes élèves savent que quand ils rentrent à la maison, mm-hmm. le lendemain, ils reçoivent un fichier audio, MP3. Oui, il y a un résumé du cours qu'ils ont assisté. Oui, ils ont assisté en direct. Très bien. Ouais. Peut-être une autre question avant de passer à la chronique de Hichem. Aujourd'hui, la musique andalouse, c'est tout un débat. Bon, on va pas rentrer dans ce débat, mais juste peut-être une question par rapport. C'est une question que je pose souvent à des artistes qui sont dans ce domaine-là. Et chacun comment il voit la chose. Alors, j'aimerais bien avoir la vision de Bahjara Hal par rapport. La musique andalouse et tout ce qui est moderne, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de toucher, de modifier, peut-être je m'exprime mal, de rajouter des sonorités ou de rajouter des touches modernes dans ce qui est traditionnel? Oui, on a le droit de tout faire. L'artiste est libre, yani, suivant son inspiration, yani, sa sensibilité, a droit de tout toucher. Regardez par exemple la musique classique européenne, mm-hmm. André Rieu. Oui. On le connaît. Oui. Il a fait des choses merveilleuses. Oui, oui, oui. C'est beau. Mm-hmm. Mais pour les conservateurs, et pour l'homme, attention, André Rieu, ce n'est pas la musique classique qu'on oui. peut préserver. Mm-hmm. C'est exactement la même chose pour la nouba. La nouba est là. C'est dommage, c'est juste une assiette, ce n'est pas une boîte. Mm-hmm. Si c'était une boîte, je mets toutes les nouba mm-hmm. qu'on doit préserver, sauvegarder, je les mets dans cette boîte. Mm-hmm. Moi, je les transmets à mes élèves et chacun essaye de faire la même chose. Mais ندرهم لداخل ونغلق عليهم بمفتاح. يجي واحد extérieur. Par exemple, vous, vous voulez vous inspirer puisque vous êtes musicien, vous inspirez de ce qu'il y a dans cette boîte. نحل نجيب المفتاح نعطي لك نوبا نقول لك allez-y. Vous êtes libre de l'arranger, de la moderniser, faites ce que vous voulez. Ça va donner quelque chose de beau, certainement. Mais ça ne fera jamais partie de ce patrimoine qui est dans cette boîte. D'accord. Donc, le patrimoine. Mais c'est vrai que quand on parle d'un patrimoine immatériel, quelquefois, on n'arrive pas à comprendre mm-hmm. quand on parle de patrimoine matériel. Mais patrimoine immatériel, je le conserve, je le protège, je le défends, mais je fais des choses à côté en oui. m'inspirant de ça. Mais Nkoul, attention, ça ne fait pas partie de ce qui est là. C'est exactement ce que nous avait dit, je sais pas, tu te rappelles, tu étais avec nous quand il était venu Fergane, oui. Salim Fergane, oui. c'est oui. exactement ce qu'il avait dit. Voilà, c'est exactement. Sûr. Il a dit, je peux faire autre chose, je peux m'amuser à faire... Bien sûr. Mais ce qui est moi, j'ai travaillé avec des chanteurs, Agda, des Italiens, des Français, des, oui. des Espagnols, oui. Agda de nationalités oui, différentes et tout. Et on a travaillé même des arrangements et tout. Mais pour moi, c'est juste des expériences, oui. c'est beau. Mmh. On a partagé des patrimoines oui. comme ça. Mais après, mais retour. Mais ouais. le patrimoine d'Yali, vous avez bien utilisé le mot. C'est des expériences, c'est des projets. C'est ça, ouais. c'est des projets, mais après, on revient toujours à. C'est un plaisir de vous écouter parler, Bahjara Hal, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien discuté, vous nous avez bien... Aujourd'hui, c'était vraiment le prof qui s'exprimait, quoi. C'était pas l'artiste, mais le professeur. De toute façon, il y a tout le monde qui a dit, oui, c'est bien, c'est au contraire. Vous restez avec nous, on reviendra à vous dans quelques instants, mais vous allez partager avec nous tout de suite un moment de tourisme par excellence ouais. dans la rubrique de Hichem Daou, la rubrique El Marsal. Vous avez annoncé la couleur tout oui, à l'heure. Bien. Il sera question des salons de des tourisme. Salons du tourisme. Mm-hmm. Il faut savoir qu'après le Covid, l'Algérie a adopté une nouvelle stratégie, voire récupérer le marché classique. On parle du sud de l'Europe.
mais aussi des marchés nouveaux comme le marché scandinave et le marché asiatique. Oui. Et par cette occasion, nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Hajjam, qui a assisté elle-même à plusieurs représentations dans des salons un peu partout dans le monde. Et justement, je voulais savoir et poser la question à notre invité par rapport à la participation de l'Algérie dans ces salons et parler de la stratégie et de la nouvelle stratégie de promotion de notre destination. Non, on rappelle juste que votre invité est cadre au niveau de l'Office national. Oui, Madame Naïma Hajjam, il faut rappeler qu'elle est directrice adjointe au niveau de l'ONT. L'Office national, c'est l'institution en charge de la promotion de la destination. Ouais, ça, il fallait le dire quand même. Merci. Merci, Lilian. Merci pour la question. Il n'y a pas de quoi. Ah ben oui. Donc, je vous remercie. Donc, nous, c'est l'Office national du tourisme, l'ONT, pas l'ONAT, l'ONT, qui est l'organe sous tutelle du ministère de l'Industrie, du tourisme et de l'artisanat, en charge de la promotion de la destination Algérie. Donc, dans notre programme d'action, on a la participation au salon spécialisé tourisme au niveau international. Ces salons permettent de faire connaître la destination Algérie. C'est des rendez-vous incontournables pour les professionnels du secteur du tourisme et pour toutes les destinations pour être présents à ces salons, pour mettre en place un plan marketing, un plan de com, pour parler de la destination, les nouveautés, proposer des produits. Et ça, c'est tout l'intérêt de ces salons à l'étranger. Cette année, l'ONT, le secteur du tourisme, a participé à cinq salons pour la période du premier semestre. Donc, ça a été des salons traditionnels, comme tu l'as bien dit, Richem. Donc, c'était l'Italie, le marché italien et le marché allemand. Et cette année, on a découvert trois nouveaux marchés qui sont la Bulgarie, où on a vu un intérêt certain pour la destination. La Bulgarie. La Bulgarie. On a fait aussi la Serbie, à Belgrade, la foire de Belgrade. Ah, la Serbie, c'est vraiment. J'entends beaucoup parler de Serbie ces dernières années. Les ils y vont. Et on a fait la dernière manifestation, c'était celle de la Croatie à Zagreb. C'était vraiment un intérêt. C'est vrai que quand on voit comme ça, la Croatie, c'est plutôt un pays que reçoit, ce n'est pas un pays. Mais quand même, il y a eu beaucoup d'intérêt pour notre pays. Il y a eu déjà des groupes qui sont venus, des youtubeurs, des instagrammeurs, des groupes de touristes qui sont venus. Et ça nous rassure, on est vraiment ravis. Oui, parce que eux, ils font leur comme c'est des youtubeurs, ils sont très suivis, donc Oui, parce qu'il faut savoir que le secteur du tourisme après le Covid, il a connu vraiment une dynamique. La destination Algérie, elle est sortie de son anonymat, donc c'est vraiment un renouveau et on le constate dans tous les événements où on y va. Il y a un intérêt, les gens ils viennent pour découvrir, ils cherchent notre stand pour venir découvrir ce qu'est l'Algérie. Il y en a qui pensent qu'il y a que juste le saharien. Après, ils voient, ah bon, vous avez le culturel, vous avez le balnéaire et tout. Ils voient que c'est vraiment un pays continent où on peut découvrir pendant une semaine. On passe de la forêt à la mer au sud, on peut découvrir une richesse culturelle et vraiment. Justement, Madame Hajjam, pardon, en parlant des offres touristiques ou des produits touristiques, qu'est-ce qu'on peut présenter aujourd'hui comme force de frappe concernant le produit touristique ou l'offre touristique phare de notre pays? On parle souvent du produit du désert. Oui. Mais est-ce qu'il y a un autre produit? Est-ce qu'on peut faire l'assemblage des trois, c'est-à-dire la côte, les hauts plateaux et le désert? Oui, c'est ce qu'on... Maintenant c'est ça la stratégie. Surtout avec l'instauration de les visas d'entrée qui permet aux touristes d'avoir un visa à l'entrée. Donc ça serait bien parce que ça a été décidé pour les visites dans le sud. Mais ça permet quand le programme, il suffit qu'il y ait une ville du sud et après on peut aller au nord et tout. Donc, on peut sur une semaine en Algérie, on peut faire 3 jours au sud, après monter pour voir Oran, venir sur Alger, voir la Casbah d'Alger, faire les forêts. Donc sur une semaine, on peut voir beaucoup de produits. C'est vrai que quand on dit comme ça, l'idée reçue que le tourisme saharien, c'est le produit d'Afrique.
l'appel et tout. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des adeptes du tourisme saharien comme il y a des adeptes de la tourisme culturel. Oui, mais dites-nous vraiment les choses telles qu'elles sont. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la destination Algérie la plus demandée, c'est bien le sud. Oui, oui, bien sûr. Ça reste, bien sûr, parce qu'on a un sud. Ils veulent aller directement au sud. Oui, oui, on a un Tamanrasset, oui, bien sûr. Janet, Mimoun, bien sûr, le parc, etc. Bien sûr, Janet, les touristes qui viennent à Janet, ils gardent toujours un bon souvenir. À chaque occasion qu'ils ont, ils reviennent. C'est vrai que notre sud, il est unique au monde. On le dit. Avec fierté. On le pense avec fierté, parce que c'est vrai qu'il est unique au monde. Nous, on y va chaque année, mais à chaque fois qu'on y va, on découvre autre chose. Oui, il y a toujours une magie comme ça dans notre sud. Donc c'est vraiment un produit d'appel. Il est prisé par les touristes, que ce soit les pays de l'Europe ou des pays scandinaves ou tous les pays. Les touristes, c'est vrai qu'ils ont une image comme ça de notre sud parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est un musée à ciel ouvert, bien sûr. Voilà. Hicham, t'as une vidéo? Oui, justement, j'ai monté un petit sujet justement pour parler un peu de l'impact des salons du tourisme sur la promotion de notre destination et des destinations respectives. Donc, d'accord. On peut voir la vidéo? Oui, elle est prête du côté de la régie. On y va. La mission des offices du tourisme dans le monde consiste à élaborer des stratégies de promotion de leurs destinations respectives. Leur mission est aussi de fournir un bon environnement pour les opérateurs du secteur afin de trouver les bons partenaires. Les participations de l'Office national du tourisme aux salons et foires étrangers se sont succédées ces derniers temps à un rythme régulier. Le défi est de travailler à repositionner l'Algérie sur la carte touristique mondiale. En effet, la stratégie est d'attirer et de donner envie et vie à tout projet de visite du territoire. Cette stratégie débute déjà en la conception du stand qui est inspiré de notre patrimoine culturel. Tenues traditionnelles, décors, senteurs, images, tout est là pour débuter le voyage. Participer aux foires n'est qu'une partie du travail de promotion de la destination Algérie. Un processus qui nécessite un effort sur toute l'année. Welcome to Algérie! Aujourd'hui, l'Algérie vise à être un acteur principal du tourisme dans le bassin méditerranéen. Avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, le plus grand pays d'Afrique, le plus grand du Maghreb, et avec le plus grand désert au monde, l'Algérie a de quoi attirer. La stratégie de promotion s'inscrit dans le tourisme durable, afin de préserver le patrimoine culturel et environnemental. Vivre des expériences humaines est devenue la force de frappe de notre destination. Et enfin, participer aux différents salons doit être un levier d'une stratégie bien établie. Qu'on a été Badilala. L'incontournable Badilala. Exactement, magnifique. Tu as tout résumé hein, en une minute et quelques. Tu as bien résumé hein, oui, ton sujet. Oui, parce que quand même, l'Algérie, c'est le pays continent. On peut proposer plusieurs circuits, plusieurs offres touristiques, plusieurs produits. Mais actuellement, les derniers temps, on parle des expériences humaines. Oui. On parle de tourisme d'aventure. Oui. Et l'Algérie est considérée par quelques médias très, très importants dans le domaine du tourisme comme étant un pays prometteur dans ce genre du tourisme. Et justement, je voulais savoir par rapport à vous, Madame Hadjam, quels sont les mécanismes choisis justement pour travailler hors ces périodes des salons par rapport à l'Office national du tourisme. Bien sûr, le travail se fait tout au long de l'année. Il y a la participation au salon à l'étranger. Et il y a aussi les événements qu'on organise, le secteur organise ici au niveau national. Il y a la célébration de la journée nationale, il y a la saison estivale, il y a la célébration de la journée mondiale du tourisme, il y a le salon international du tourisme et des voyages cités où on accueille des invités étrangers et des opérateurs étrangers qui viennent découvrir notre destination. Donc c'est un travail qui se fait tout au long de
de l'année. Le travail de promotion ne peut pas s'arrêter. Donc, tout au long de l'année, on fait des campagnes de communication pour faire connaître la destination. On utilise les réseaux sociaux pour faire connaître. Il faut faire intéresser le touriste et être tout le temps présent. Parce que c'est comme ça qu'on va attirer les touristes vers notre destination. Justement, moi, j'ai une question à vous poser pour essayer de faire un lien avec la musique. Quand on parle de tourisme, on parle aussi de musique. D'abord, je vais commencer par vous, Madame Badjarhal. Vous avez déjà participé à un salon de tourisme? Non, du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, voilà, ça c'est une. Donc, elle a donné sa réponse. Donc, maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Oui. Est-ce que dans vos salons, vous invitez aussi des artistes algériens? Je sais que ça se fait. Oui. Souvent, vous vous emmenez avec vous, je ne sais pas, quand vous allez dans d'autres pays, des artistes qui représentent un petit peu la culture algérienne. Bien sûr. Ça fait partie du tourisme. Ça fait partie, bien sûr. C'est vraiment, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est comme ça, la culture et tout. C'est un seul ensemble. C'est vrai que nous, dans les salons, c'est vrai, comme il a dit dans son sujet, c'est vrai qu'il y a la conception du stand qui doit refléter notre patrimoine, notre richesse. Et avec nous, il y a les professionnels, les opérateurs du secteur qui viennent avec des propositions de programmes qu'ils proposent aux opérateurs étrangers et aux touristes étrangers qui viennent visiter notre stand. Et il y a une partie qui on fait un focus sur notre patrimoine artisanal, l'artisanat qui est toujours présent dans notre stand. On fait connaître tout ce que les métiers qu'on a en Algérie, et en même temps la musique elle est aussi présente avec nous à chaque participation. Par rapport à chaque marché, quand on y va, les Allemands, on sait qu'ils aiment entendre le son sahraoui et tout, donc on emmène avec nous des troupes comme ça du sud, des Touaregs et tout, pour des intonations de son tergui. C'est tout le temps, bien sûr, c'est un ensemble qui marche avec. Quand il y a des activités, tout le temps on organise comme ça des activités musicales et tout pour faire connaître. C'est ce qu'on a fait à l'exposition universelle de Dubaï. Là où on y va, on essaie de faire connaître notre richesse culturelle et notre patrimoine. L'Algérie, c'est vrai qu'elle il y a de tout, et on essaie à chaque participation de mettre un focus sur un style comme ça musical, sur un métier comme ça d'artisanat. Parce qu'on ne peut pas vendre tout, mais il faut faire tout. Mais on fait un focus par rapport au marché, par rapport aux attentes de touristes de chaque pays. Madame, par rapport au marché, des fois, il faut, je ne sais pas, après, c'est un avis, vous pouvez bouleverser aussi les choses. Bien parce sûr. Que eux, c'est vrai que, vous voyez, on revient toujours au sud. Ils sont demandeurs du sud, donc que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans la musique. Mais après, c'est à vous aussi de faire connaître d'autres, parce qu'il n'y a pas que le sud. D'autres cultures, la musique andalouse, la musique chiaoui, la musique, c'est ce qu'on fait, nous, avec les opérateurs qui nous accompagnent. Nous, quand on fait les programmes, on propose les programmes sur tout le territoire. On ne fait pas un focus sur une période, sur un territoire et en oubliant l'autre. Bien sûr, c'est le tour du territoire algérien qui a des capacités, il y a des potentialités, des produits qu'on peut proposer. Donc, les programmes, on peut trouver de tout. Donc, même au niveau des stands, des fois, on met de la musique, un peu chiaoui, un peu... Et avec nous, on ne peut pas prendre, malheureusement, tout le monde. Donc, quand il y a une troupe... Il faut faire un choix. Donc, une troupe, andalouse, à la limite, ils peuvent jouer comme on a fait à l'expo de Dubaï. Donc, la troupe, la Ranatia. Donc, ils jouaient un peu tous les styles. Mais quand c'est une troupe comme ça de tergui, c'est un peu difficile de passer d'un style à un autre, mais on comble ça avec la diffusion sur le stand de musique, de sonorités qui rappellent les autres régions de notre pays. Reste le spectacle vivant, bien sûr, qui a son impact. Bien sûr. En plus de ça, il faut les intéresser pour qu'ils viennent. Si on leur donne tout sur le stand, ça ne sert à rien. C'est pas ce qu'on veut. C'est juste pour attiser la curiosité et pour les inciter à venir. Et on sera ravis de les accueillir ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, sur finalement, ça se porte bien, les salons, ça va. Oui, très bien. On touche du bois, comme on dit. Vous avez du bois, il y a plein de bois ici. Oui, il y a plein de bois ici. Il y a un retour d'intérêt. Il y a un retour après le Covid, c'est vrai, il y a une vraie dynamique avec tout le soutien que le pouvoir public a accordé au secteur, tout le travail accompli par le ministère.
ministère du Tourisme et de l'Artisanat, avec le lancement de plusieurs applications sur les circuits touristiques, sur les produits, la plateforme Visite Algérie et tout, le lancement de plusieurs concours qui incitent les jeunes comme ça à proposer des produits dans l'audiovisuel lié au tourisme. Donc tout ça a fait qu'il y ait vraiment une dynamique qui s'est installée et on se réjouit de tout ça. Eh ben on est content. Très bien, ce sera tout, Isha. Vous restez avec nous, ça va. Il y a toujours des choses à dire dans le tourisme, mais on se contente de. De l'importance du travail de. Ça va, il y a une équipe dynamique. Ah ben, si, ils sont tous comme elle, j'imagine, c'est le top, hein, franchement. Merci. Merci. Allez, on va écouter un petit peu de musique, ça va nous faire du bien aussi, toujours avec notre invitée qui est là. Bon, elle ne peut pas chanter parce qu'elle préserve sa voix, n'est-ce pas? C'est important de préserver sa voix. Je suis là depuis une semaine, je ne fais que parler. Et même battre qu'il l'a sur scène. Justement, il faut chanter. Il faut chanter, madame. Elle ne faut pas. Vendredi. Justement, avant d'écouter l'extrait, comment on préserve sa voix? Je vous fais le meilleur remède pour la voix. Parce que, c'est le repos. La voix, normalement, elle est là. Mais pour la préserver, il faut le repos et de temps en temps le silence. Mais moi, je ne sais pas me taire. Donc, c'est vous qui fatiguez votre voix. Oh là là! Allez, on va l'écouter justement avant le concert. On le rappelle, ce vendredi à 19h30. À 19h30, j'insiste, à la salle Ibn Zaydoun. Mais on écoute tout de suite Badja Rahal. A choisi parce que c'était pour montrer une autre facette, une autre image de Badja Rahal. Parce que Badja Rahal, on la voit toujours avec ses belles tenues, c'est très sérieux, il ne faut pas parler quand on écoute un concert de Badja Rahal, il faut apprécier. Mais là, c'était autre chose, c'était de l'ambiance. Et vous allez nous. On a même vu une batterie, on a même vu. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'était un spécial Eid, parce que c'était l'Eid il y a quelques années en France. Et c'était d'ailleurs pour la télé algérienne, pour Canal Algérie. Et comme il y avait plusieurs chanteurs algériens présents pour cette émission spéciale, donc il y avait une guitare électrique, une batterie derrière, donc qui attendait pour les autres chanteurs qui devaient aussi passer après moi. Mais c'était une soirée magnifique parce que quand même, il y avait quand même un public, mais avoir plusieurs chanteurs et... faire une émission spéciale pour la télé algérienne, c'est quelque chose de... C'est beau aussi. C'est encore une autre expérience. Surtout quand on est à l'étranger. Tout à fait. Ça vous manque, des fois. Vous avez cette nostalgie. Quelques fois, mais alhamdoulilah. Donc, le fait de venir régulièrement et tout, ça va. Vous êtes bien rassasié. Alors, vous vouliez qu'on parle d'un point, c'est heureusement que vous m'avez cartonné, le digital. Digital, là vous parlez de vos albums, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Parce que depuis quand j'ai enregistré Hada le 28e, je l'ai enregistré... Ça fait beaucoup, 28 ans. 28, oui. C'est énorme. Et que des nombres, c'est vrai, c'est pour ça que je dis... C'est énorme. Le monde andalou, c'est très... C'est énorme, c'est ça demande beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais quand il y a la passion, et avec le souci de préservation et de transmission, je pense qu'on oublie l'effort, on oublie la fatigue. Donc quand je l'ai enregistré en août 2022,
pour le distribuer, il n'y a plus de disquaire en Algérie. Et d'ailleurs, pratiquement dans le monde. Donc maintenant, le digital est très, très important. Ah ben oui, c'est lui qui a tout effacé. Voilà, et c'est pour ça, à la limite, معليش. On est à la limite. En décembre 2022, je l'ai lancé donc sur toutes les plateformes digitales. Et à la presse, parce qu'on avait donné, j'avais donné une conférence de presse au Centre culturel algérien de Paris pour annoncer ça. Donc la presse, j'avais dit, tous mes albums seront aussi disponibles sur les plateformes. Et c'est ce qu'on c'est est en train de faire. J'ai maintenant un directeur digital, Amin Samari, qui s'occupe de mettre tous mes albums. Donc, sur les donc pour le moment, il y en a un seul ou... Non, il y en a 10 déjà. Il y en a 10 et d'ici donc la fin, donc décembre 2023, Inch'Allah, les 28 seront là. D'accord, donc il en reste 18, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Mais ça va aller. La machine est lancée. La machine est lancée. Et on sait le faire maintenant. Il a pris le pli. Il a pâté deux, trois. Et je l'ai lancé. Et ça prend beaucoup de temps ou ça va? La première fois, parce qu'il ne savait pas comment c'est... Moi, je m'en occupe pas, hein, c'est lui. Il ne savait pas comment faire et tout. Il fallait déconseiller par Internet. Mais maintenant qu'il sait le faire, il a pris l'habitude. À chaque fois, en 2-3 jours, il le fait. Il lance d'ailleurs 3-4 en même temps. Et on attend. Ils le mettent, il est disponible 15 jours après ou là. Très bien. Alors, pour revenir au concert, donc ça va être vendredi à 19h30. Ça va être... Quel est le programme? Les musiciens? C'est les musiciens algériens? Les musiciens, algériens c'est vrai que... Vous les avez ramenés avec vous de là-bas? Non, je dis algérien là-bas ou algérien ici? C'est vrai que j'ai un orchestre à Paris, j'ai un orchestre à Alger et on travaille régulièrement. C'est bien, comme ça vous faites plaisir à tout le monde. Je fais plaisir à tout le monde et quelquefois c'est aussi plus pratique aussi parce que financièrement c'est beaucoup d'argent pour préparer un concert en Algérie avec des musiciens qui viennent de France. Donc on est là, on a travaillé depuis quand même plusieurs semaines ensemble. Au Kilhakt, on a commencé les répétitions pour travailler le détail, comme avec mes élèves. Donc le programme, Inch'Allah, vendredi, il y aura une nouba, donc des extraits déjà de cet album. Et aussi, j'ai préparé surtout un programme, le public le verra, un programme très particulier. Les modes sont particuliers parce que je vais rendre, il y aura un hommage. Et ça, c'est un hommage personnel que je vais rendre. Donc, pour l'instant, je ne dis rien, c'est une surprise. Ça doit être votre prof, ça. Non, je ne dirai rien du tout. Rien. Et je ne dirai ni si c'est une femme ou là un homme, ou là artiste ou pas, ou là prof à l'université, ou là dans la musique, je ne dis rien. Quand je tiens un secret, je le tiens. Ouais, d'accord, surprise. Surprise, mais je pense que le public, ça va plaire au public, Inch'Allah. Donc, ça, c'est la première partie, la nouba toujours. Et en deuxième partie, il y aura des aroubiya et des houaz, Inch'Allah. Donc ça commence doucement, ensuite le rythme s'accélère, c'est ça? Les houaza ou l'arabia, c'est vrai qu'on pense que c'est du rythme. Non, c'est aussi de l'écoute. C'est aussi de l'écoute. Non, bien sûr que c'est de l'écoute. C'est les mais c'est plus rythmé. Non, non, il y a des arabia qui ne sont pas rythmés. Quand on dit par exemple un arabi bitousiah. Bitousiah, c'est beaucoup de stikhbarat et avec des parties mbad rythmées, mais qui font partie de la nouba. Donc non, le arabi n'est pas rythmé. Oui, ça c'est nous, c'est nous qui... C'est ça, non, on a cette idée, mais c'est pour ça que vous êtes là pour nous expliquer. Donc bien ça ne veut rien dire finalement, ça non, commence parce doucement. Qu'après, c'est vrai qu'on a pris l'habitude quelquefois, parce qu'on entend quand certains chanteurs font aussi de l'animation, et qu'on peut dire le hawzi dziri ou là. Le hawzi dziri normalement n'existe pas. Le hawzi est tlamsania et c'est tout. Le arabi est algérois et c'est tout. Mais après, comme on l'a dit, il y a les rythmes pour aussi pour Houma, pour l'Aras, ce n'est pas mon cas. Donc, il dit que oui, c'est du Houzé Dziri, c'est l'Asé, mais c'est le Nsem'i. Voilà, mais c'est mais pas l'Arabi, c'est du Arabi, ou le Houzé, c'est du Arabi. Le mot Houzé, ça vient de l'Houzé. L'Houzé, qui m'a l'Arabi, l'Arabia. C'est tout, c'est les alentours. Parce qu'avant, il y avait la Nouba. On parle de la Nouba, la partie la plus classique de ce patrimoine. Mais Mbad, des poètes algériens, se sont inspirés de la musique andalouse pour écrire en arabe
يعني العرب بارلي تاعنا دونك اي هذوك لي بويت كي فيفي باغ اكزومبل في تلمسان لي زالانتور سا دوني الحوزي pour l'arabe يعني c'était des poètes qui vivaient à Alger les alentours يعني l'arabia donc ça a donné l'arabe et le mahjouz pour Constantine la même chose mais c'est en arabe c'est de l'arabe parlé de l'époque donc de l'arabe algérien mais qui ne s'entend on pense même بلي قريب c'est de l'arabe classique non c'est l'arabia تاعنا l'arabia يعني الدارجه مهذبه et donc arabe c'est parce que nous on a une C'est, pour c'est nous, proche de l'andalou, de l'anouba, mais c'est en arabe algérien. D'accord. Par exemple, l'arabie, on peut citer des poètes, Youssef, Ben Qbabti et d'autres. Pour l'haouzi, on va citer Ben Tariqi, Ben Sahla, Ben Msaïb. Souvent, d'ailleurs, quand on cite le Qalbat Salim, que tout le monde connaît, et que même Fadila Dziri a chanté, La Yarhamha. يقول لك هذا تزيري تاعنا على قصيده حوزي دونك سي ثلاث ثانيه داكور اي وي وي اون ابران سي فري اي سي بيان هوروزمون كو فوزيت فينو اجوردي باسكو اون رومي ان بتي بو لي بوين افيك فو غراس ا فو لي بوين سور سور لي زي يا نو اون كوني با اي بتيت يا دي جون اوسي كي ريغارد كي كونيس با فريمون لا بروفوندور دو لا شوز اي فو زيت لا بوين سي بور سا كو فوالا بور اي فو ان مي راسوري نو يا يا 3 écoles Ça, on le sait, il y a trois écoles. C'est vrai que certains ont même voulu réunir ces trois écoles en une, mais moi je dis que c'est une erreur parce que nous avons cette richesse. Trois écoles, parce que chaque école a sa tabe, a ses voix, a ses maîtres. Qu'est-ce que je vais les réunir Mais les trois écoles, quand elles sont ensemble, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, d'être en concert avec deux autres écoles? Déjà, vous, c'est quoi votre école C'est l'école d'Alger. C'est par excellence. Moi, je suis née, j'ai grandi à Alger. J'ai appris le conservatoire d'Albière. Ensuite, j'ai eu des maîtres de l'école d'Alger. Donc c'est Alger. Donc c'est Alger. Ma spécialité, c'est l'école d'Alger. Mais je me suis retrouvée, comme par exemple ce que vous avez montré tout à l'heure, Malila Boursali, on a donné un concert en duo. Sanouba, c'était... Yani, on a mis en fusion, si on veut, de Nouba. Alger. Mais attention, on n'a pas chanté ensemble, Hegda. De Nouba, elle chantait un morceau Tlemcenia, يعني ام صدر تلمسانيا جو شانتي ام صدر دالجي داكور ام طايحي دو تلمسان ام طايحي دالجي ايتترا دونك اون امي سيتي بور ميتر ان فالور او كونترير سي دو ايكول اي دو انتربريت دو دو ايكول ديفيرون مي است كو سا فوز ايت بون لا اون ا فيو ليكزامبل افيك ليلا بورسالي مي است كو فو لافي في افيك كونستانتين اي تلمسان او جامي انكور جي شانتي باغ اكزامبل ا لوبيرا de Lyon avec Salim Fergani. Oui. J'étais son invité parce que c'était son concert, mais il m'avait invité. C'était magnifique là aussi. Mais jamais les trois. Pas encore. Mais ça va se faire. C'est à faire ça. Voilà, bien sûr. Ce serait génial. Bien sûr. Très bien. Ben voilà, je crois qu'on a dit, on a tout dit. Enfin, ce qu'il fallait dire, l'essentiel. Vous voulez encore lancer un appel? Allez-y. Moi, je l'ai annoncé. Je vais encore l'annoncer. C'est jamais tout. On dit jamais tout. Mais parce qu'on est toujours limité par le temps. Non, mais vous en avez dit des choses aujourd'hui. Bien on a appris tellement. Ah, aujourd'hui, on était vos élèves. Un jour, on dira une masterclass directement à Hagda. Ah, ce serait génial. Ce serait génial. Voilà, donc le concert à ne pas rater, c'est ce vendredi à 19h30 à la salle Ibn Zaydoun. Donc, j'imagine qu'il faut être là-bas avant. Pouvoir commencer à 19h30. Parce que bon, on peut certainement avoir 10 minutes de battement ou là, mais le concert commencera, Inch'Allah. À l'heure. Vous avez fait les répètes ou pas encore? Bien sûr. Si, vous êtes en pleine répète. Il nous reste une demain, mais non. Ça y est, tout est ficelé, tout est... C'est, vous avez porté quoi? Ça aussi, vous n'allez pas le dire? Non, je le dis, je peux le dire. D'ailleurs, je suis habillée par Ardouane Zerman, que certains connaissent, qui est un grand modéliste couturier, qui m'avait habillée il y a très longtemps, en 2002. Ça ne nous rajeunit pas. Vous êtes fidèle. 2002... Je ne vais pas dire que je suis fidèle parce que j'ai été habillée par d'autres, dans d'autres occasions. Mais là, après 2002, il m'avait habillée en 2007 aussi. Mais là, donc, retour, il m'habille pour ce concert aussi. Kerako? Kerako.
Très bien. Inchallah. Voilà. Donc Bahja Rahal sera en Kareko ce vendredi à 19h30 à la salle Ibn Zaydoun. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'était un plaisir. À bientôt. Vous revenez hein, quand vous serez de retour. Vous viendrez avec nous plaisir. Voir. Hicham, merci. Merci à ton invité merci aussi. À Madame Hadjam. Madame Hadjam, franchement, bravo. Hein, merci. Franchement, à vous. Vous défendez bien et vous parlez bien. Il faut bien la promotion de l'Algérie. Hein, bravo. Merci. Donc, Hicham, rendez-vous demain. Demain, Inch'Allah. Ce sera quoi demain? Mazel. Surprise. Merci à tout le monde d'avoir travaillé sur cette émission, à l'équipe du Studio 7. Soraya Hamoudi était à la réalisation, Anis au script, Anna. Et merci à tout le monde. On se donne rendez-vous demain à partir de 15h. Bonne journée.